Voilà, c'est bon. Merci Mitsu pour Amax. Bisous à toi, c'est gentil de ta part. Je rappelle qu'on a créé un club et que vous pouvez tous très bien venir. Hein. Il y a 10 places de libre. Et puis de toute façon, si je vois qu'il y a des gens qui jouent pas du tout, je ferai un écrémage, mais on est très loin encore. Faut jouer plus au jeu Tortue Ninja. Mais je l'ai même pas acheté Tortue Ninja en fait. Ouais, Sky y joue ce soir, je le PL. Oh! On va jouer violet! Mal. Alors évidemment Yoshi et... Oh, il n'y a pas Wario! Ah, il y a les deux... Allez, on va prendre le gros Bowser. Sky, il est gentil aujourd'hui. Il fait des dons. Envoyez des sous! Envoyez des sous! Moi aussi j'en ai besoin. Attends, je recule un peu. En espérant que ça ruine pas complètement la caméra. Voilà. Allez, c'est parti. Ah. Ah mais je suis con, on est l'autre équipe moi. Je me suis confondu. Bien joué! Oh bien joué! Oh là là, c'était beau ça. Vas-y, attention. Oh putain. Passe en ouverture, attention. Joli. Oh! Sérieusement, mais quelles étaient les chances, quoi? Joli! Je récupère un item, moi. Allez, vas-y, on se concentre. Attention. Oh putain. Putain, on a perdu le truc, quoi. Oh, joli! Joli! Putain, Sky était devenu un champion. Pour ce qui est de dribbler, hein. Vas-y, récupère la balle. Vas-y, tire. Oh, c'est joli! Oh, le but, bien joué. Bien joué, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Non, c'était beau. Attends, j'ai envie de prendre le truc là pour voir un peu ma caméra. Hop là. Allez. Sky, je te laisse. Tu choisiras l'ambiance du prochain match en couleur. Oh putain, on a eu chaud. Merde, j'ai raté. Oh, c'est bien. Il l'a eu, fais gaffe. Yes! Voilà le petit but. Parfait ça. On est trop fort, on est trop fort. Pour le bronze. Je précise. Il va me taper direct. C'est sûr. Bien joué. C'était con ça. Joli, joli. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'item alors qu'ils arrêtent pas de nous faucher alors qu'on n'a pas la balle? Ah putain, ils l'ont eu encore. Oh non, comment t'as raté ça? Oh non! Ah putain, s'ils mettent deux buts là, je suis dégoûté, franchement. Allez, on se concentre. Quand même, putain. Salut. Ah, faut pas spammer, mec. Le message d'entrée, ça va pas du tout.
Ah putain l'enfoiré. Putain. Regarde, t'as la balle. Heureusement que tu me l'as dit, j'ai cru que c'était pas qu'il y avait la balle. Vas-y, tire. Tire. Oh bah c'est pas grave. Ça les fait chier, c'est déjà bien, vas-y on se concentre. Ça peut le faire, ça peut le faire. Bim. Boing. Allez, on spamme le bouton, on spamme. T'as la batte. Ah, oh, allez. Vas-y, on est tranquille, là, on a gagné. Voilà, 1-0, c'est parfait. On va s'en contenter. On va s'en contenter. Encore une victoire de canard. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on gagne. Encore. Mine de rien, si t'enlèves la partie où on a été déco, je crois qu'on a 100% de win, tous les deux, en game. Ouais. Doudoudou. You are starting to bug me. Nightbot qui se déchaîne, tu sais. Alors, en attente d'adversaire. Au fait, je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé The Boys, du coup j'ai regardé l'épisode d'aujourd'hui qui s'appelait Erogasme. Et j'étais hyper déçu, pas de l'épisode, il était trop bien, mais j'étais hyper déçu parce qu'ils nous l'ont vendu genre « Oh, c'était traumatisant !» Putain, mais les mecs, c'est des oufres, à 311 victoires, 161 défaites, le mec, il a dosé comme un dingue, quoi. Et en fait, je vais te dire, c'était une scène, voilà, mais ça avait rien à envier à un film érotique de dimanche de M6, tu vois. Donc je comprends pas trop le délire là-dessus, quoi. Salut, Hello. Je crois que t'as... Ah non, t'as validé, c'est parce qu'on attend les autres, ok. Hop là. Tu vois, 311 victoires. Les mecs, ils ont... Putain, ils passent leur vie sur le jeu. C'est dingue. Joli. Allez, on bourrine. Récupération de balle. Mais putain, l'esquive il marche pas quoi. Sérieux, les joueurs qui se font taper, qui se font retaper n'importe quoi quand même. T'as la balle. Bien joué. Joli. Mais putain, franchement, j'en ai marre d'esquiver dès que ça marche pas, quoi. Oh merde. Mais tu vois, ils ont des systèmes en boucle, nous on a rien. Bizarre. Putain. En plus, genre, tac, plus. Il me saoule là. Bien joué. Ah putain, notre joueur il est. Oh, allez, vas-y, on bourrine. En bourrine, en bourrine. Voilà. Ouais. Ça finit par rentrer. Les gros bourrins. Ah putain. C'est ouf. Bien joué, bien joué, bien joué. Tiens, attends, je vais claquer. Fais gaffe. Joli, l'esquive. Putain, mais tu vois, j'esquive et le personnage est parti sur lui, quoi.
Mais tu rêves, mec. C'est pas la fête, quoi. Voilà. Allez, vas-y, on gère. Putain, sérieusement. Oh non! Oh, Bowser qui a gêné! Salut, mon. Attends, je me concentre. Salut, mon mauve. Bien joué, tu l'as eu. Bon, c'est pas grave. Attends, on va voir les items qu'on a. Est-ce que je peux engage direct avec ça? Ok. On va voir. Ouais, on peut. Putain, j'ai raté. Bon, deux oranges. On la marquera pas, mais on peut peut-être marquer à la, au retour de ballon, tu sais. Bim. Ouais. Ah bah ouais, on a eu des buts. Salut Tita. Ça va, on a géré. Franchement, je suis content. Oh, sérieux? Putain, je comprends même pas comment ça fait pour rentrer ce genre de truc. Il va me taper direct. Sérieux, c'est n'importe quoi. C'est Nawak, c'est Nawak, c'est Nawak. Bon, au moins, il a plus d'item là. Oh, joli. Putain, mais sérieusement? Ah, tiens. Vas-y, tire. Ah, putain, j'ai pas eu le temps. Ah, l'objet, l'objet. Putain, il l'a eu. Joli. T'as pourquoi moi quand je fais ça, ça marche pas? Putain, mais... C'est pas grave, il l'a eu. Fais gaffe, fais gaffe. Toujours toqué la balle. Putain. Tiens. Putain, c'est gros bordel. Oh putain, vas-y, on marque. Vas-y, on bourrine, on va rentrer. Tiens, 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 tiens. Putain, mais c'est pas possible. Comment le mec peut avoir autant de luck? Leur gardien est mort, quoi. Non, ça a tapé contre le truc, j'hallucine. J'hallucine, ça a tapé contre ça. Bon, allez, vas-y. Putain, fichu. Bien joué. Attention, ils ont le truc encore. Mais putain, mais ils sont... Mais c'est même plus cocu, là, à ce niveau-là. Hein. T'as la balle. Attention. Putain, mais c'est incroyable! Putain! C'est juste n'importe quoi ce match. Putain, mais leur gardien est mort, quoi! Allez, tire! Oh oui, wow. Yes! Putain, enfin! Salut, Haru! Comment ça va?
Ah oh, putain, celui-là, il aurait été compliqué de match, hein. Ah, de fou. Mais c'est moi, j'ai l'impression que les équipements, ça impacte vraiment du coup les persos. Parce que Luigi, je t'avoue que de base, c'est facile à le bousculer, mais là. Ouais, en fait, ça dépend de la puissance et tout. Je pense, parce que oui, Waluigi, normalement, t'as pas de problème à le bousculer, et là, c'était impossible, quoi. Mais ouais, quand. J'avoue, mais Endeavor, depuis deux chapitres, je trouve que Endeavor, il est super classe, quoi. Je veux dire, on l'a déjà eu auparavant, mais je l'avais jamais trouvé autant stylé que ces derniers temps où vraiment on a un Endeavor. Attends, juste. Riler la cam 2 secondes. Qu'elle soit un petit peu plus quali. Est-ce que j'ai trop mis de lumière? Non, je pense pas, là. Hop là, attends. Hop. Hop là, voilà. Alors, elle est où la cam? Elle est là. Configurer la cam, attends. J'espère qu'il va me laisser le temps, le truc. Voilà, on va mettre comme ça. Est-ce que je mets un peu plus de contraste? Je sais pas. Voilà, on va dire que ça va. Je vais pas modifier plus aujourd'hui. Hop, ça ira. Alors, donc, Yoshi. Et le deuxième perso, Wario. On continue sur des bonnes bases. Mais en fait, je me demande comment c'est possible qu'il ait récupéré un pouvoir avec Eri. Je comprends pas la. Il n'y a pas de logique pour moi à ce qu'il fasse ça. Wow, le Wario! Oh là 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 là, quelle action menée par Sky! Tranquille, t'arrives, bim! C'est joli, tu vois qu'ils ont tuné leur truc, faudrait vraiment qu'on voit pour faire. Il suffit pas de spammer hein, les gars. Hop. Bim! Elle est toute seule. Oh là là là, c'était sûr. Il avait le pouvoir d'Eri dans les balles anti-halter, donc le prof a peut-être réussi à l'extraire. C'est vrai, c'est possible. Et du coup, il serait capable de s'auto-rembobiner, c'est quand même dingue. Et tu te demandes, si c'est le cas, tu te demandes pourquoi il l'a pas fait avant, surtout. Voilà! Là, on remet les compteurs. Je préfère comme ça. Ah, nous, ils sont à même le sol, nos mecs. Ah putain, je voulais. Putain, mais c'est pas vrai ça. Bien joué. Oh, joli l'esquive. Dommage, j'aurais essayé. Putain, mais c'est pas possible ça. Dégagez, les gars. Oh, tu l'as. Oh là là, putain, c'est chaud quand même. Hein. Bon, par contre, lui, on le maîtrise un peu plus que celui d'avant, hein, je trouve. De fond. Allez, ça nous passe là-bas. Ouverture en haut. Hop là. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Putain. Joli. Voilà, quand même, ça bourrine, quoi. Et du coup, il a récupéré le vrai All for One, vu qu'il s'est rembobiné. C'est possible, en fait. Ouais, c'est un Joker. Je pense que c'était un Joker. En fait, je pense que, comme ça reste une alter, tu sais, tu te rappelles, à un moment donné, c'est Monoma, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle, le gars. Il est bien précisé que ce mec-là, quand il a copié l'alter d'Eri, il a été dit que ça lui demandait. Que c'était un alter qui demandait de la canalisation. Tu sais, qu'il peut pas faire en mode YOLO comme ça. Vas-y, voilà, super.
Et du coup, je pense qu'il pouvait pas le faire correctement. D'ailleurs, je serais pas surpris qu'il l'ait pas complètement. Tu sais que quand on le verra, il est pas rembobiné entièrement parce que l'alter était pas pleinement chargé ou un truc comme ça, tu sais. Oh, t'as fait une passe sans vouloir, je pense. Je pensais pas à cette vitesse. C'est trop rigolo ce que ça a fait. Voilà, problème réglé. Joli. Wow! Tu vois, c'était pareil, c'est moi qui ai pris Tarlef, je comprends pas pourquoi. YOLO, aide-moi, couvre-moi! J'aurais pas le temps. Voilà, c'était sûr. Bien joué. Allez, vas-y. Dommage. Oh putain, mais il est violent, lui. Oh, le bâtard. Je me suis mis devant. Je pouvais pas tirer à fond, mais c'est pas grave. On en met un normal, c'est très bien. Ah, de toute façon, je trouve que les. Ils ont tous un costume super avec beaucoup de flow. Hein. Oh putain. Bien joué. Bourrine! Vas-y! Putain! Le pas de bol, tu sais. Mais les nouveaux costumes, là, alors on les a vus. Choto, on le voit bien. Les autres, c'est un peu éloigné. Mais tu vois bien qu'ils pètent la classe quand même, les costumes. C'est un peu ce qu'ils ont déjà dans My Hero. C'est un peu ce qu'ils ont, mais en mode upgrade adulte, tu sais, tu sens, c'est plus exactement. Ça ressemble, c'est pour ça que tu les reconnais de loin. Tu reconnais Midoriya, tu reconnais Ochako, parce que voilà. Mais sinon, tu sais que c'est pas exactement les mêmes costumes, quoi. T'as, ouais. 28 tirs contre 8, ça va. Il y a une légère domination. Légère, tu vois. Non, mais en tout cas, je suis content de ce qui se passe actuellement dans My Hero Academia, parce que c'est vrai que la Battle Royale m'emmerdait un peu, parce que je trouve qu'il se passait rien de spécial. T'sais, ça se battait, ouais, ça bastonnait, c'était joli, mais moi j'ai besoin d'un peu plus, quoi. T'as bien, regarde ça! Alors là, lui, 308 victoires, 20 défaites, ça picote. Les stats, ça pique quand même, là. Je peux pas dire, mais bon. Je suis moins optimiste que tout à l'heure. Bon, je pense que ça va aller. Hein. Bon, à voir. Hein. Tu vois, à mon avis, il doit y avoir un certain degré de force. Et si ta force a genre 1 de plus que l'adversaire, eh ben tu vas juste le poussoter au lieu de le faire tomber, tu vois. C'est pour ça que le Bowser, à mon avis, il peut défoncer tout rapidement. Il doit y avoir une règle comme ça. C'est pour ça que le Waluigi t'a pas pu, parce qu'il a dû mettre un item sur lui qui a fait qu'il avait plein de force. Et du coup, il avait la limite de force qui faisait que tu pouvais plus le pousser, quoi. Sûrement, ouais. Mais du coup, ça veut dire que ça va être identique, du coup, pour peu importe le perso, peu importe l'équipement que tu prends. Normalement, de ce que j'ai compris, tu peux faire vraiment tous les persos différents en termes de stats. Tu peux vraiment faire un Bowser avec Yoshi, quoi. Mais moi, pour moi, s'il parle du feeling, il parle pas de l'adversaire qui arrive, il parle du fait que All for One, c'est rembobiné, pour moi. C'est le All for One rembobiné, le mauvais feeling. C'est pas... C'est pas le... Ça, enfin, ça, je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, ça a rien à voir avec ça. Putain. Je te dis, je pense que lui, il est bon. Oh, bien joué. Ouh, j'y croyais pas trop à ce but, mais ça est rentré. Le fait qu'Endeavor soit mis en avant avec sa rédemption et qu'il soit digne d'être numéro 1. Après, il y avait déjà. Pour moi, il était déjà digne d'être numéro 1 à partir du moment où il avait battu Nomu, tu vois. Même si c'est évidemment moins fort que.
fais Braid. Ah, j'aime pas les gens qui jouent avec les passes en l'air comme ça. Joli. Tu vois, il joue que avec les passes en l'air, quasiment. Putain, les deux fois, il nous met des buts comme ça, avec presque de la luck, quoi. J'ai fait refaire la même, quoi. Bon, alors, on peut se la faire. On a les items. J'ai raté, mais bon. En orange, ça devrait passer. Bim! Voilà. Tant qu'on peut la rattraper derrière et la mettre, hein, c'est déjà bien. On est revenu à 2-2. Ça va, on tire au score pour l'instant. C'est chaud, mais on tient. Elle va me balancer des trucs d'entrée. Ah non, j'aurais cru. Mais sérieux, c'est incroyable! Ils font que ça, des passes au bon timing pour charger la balle et après ils... Gardien? Bien joué! Ah, dommage, je l'avais tapé pour que tu puisses seul. Allez, toi, la balle. Tu vois, à chaque fois, il fait ça. Je pense que c'est parce qu'il a peut-être compris comment il fonctionnait le gardien. Non, c'est... Enfin, je te... C'est compliqué à expliquer, mais... Il y avait ça avant. En fait, quand tu fais des passes en l'air au bon timing, tu la charges. Voilà, tu vois, la balle, elle est chargée, là. Et du coup, quand tu tires, eh ben, ça fait plus mal, quoi. Mais c'est juste chiant, parce que... Enfin, tu vas voir, si je peux le faire, tu vas voir. C'est pas amusant du tout. Ah, merde, c'est toi qui as eu la balle. Ouais, pour le faire, faut que j'aie la balle tout le temps. Vas-y. Mais putain, pourquoi je me fais chier à dasher si c'est pour ça? Bien joué l'esquive. Putain, il l'a eu, j'hallucine quoi. Hop là, vas-y, on récupère. Tabé. Fais gaffe. Oh putain, c'était moi qui l'avais là-bas, je vois. Ils sont chiants à me switcher à chaque fois, quoi. Mais sérieux! Tu vois, Rad? Il fait que ça. Il fait trois passes en l'air, ça charge et il tire. C'était le truc que je reprochais beaucoup à l'ancien Mario, et j'avais vu personne le faire encore, et là, bah, c'est juste chiant, quoi. Voilà, tu vois, là, j'ai chargé la balle. Bon, je l'ai perdu, mais... Du coup, tu tires et t'es quasiment assuré de marquer, quoi, en gros. Bah, tu vois, elle est chargée, la balle. Oui, là, il a pas tiré dans la foulée, mais bon. Ah, ça saoule. Normalement, ouais, c'est 2022. Hein. Putain, mais il bourrine tellement, lui. Voilà. Et il est reparti avec son truc. Vas-y. Sérieux? Même en balle chargée, j'y arrive pas. Bon. Bah, t'as pas 50 chapitres encore. Hein. Je vois pas comment tu peux avoir 50 chapitres, honnêtement, là. Parce que là, t'es déjà dans le combat, entre guillemets, quasiment final. Même s'il y a encore plein de choses à raconter, c'est pas des choses
Honnêtement, je vais te dire, je m'en bats les couilles de la tortue ninja là. Et du gang des mecs qui ont été modifiés, génétiquement modifiés. Il faut que je parle français correctement. Ça m'intéresse pas du tout, quoi. L'avenir de DBS, je le vois mal. Très très mal. Je vois un animé en mode CGI dégueulasse comme on a eu le film. Là, pour moi, c'était pour une préparation, un test. Et comme le film va faire des ventes en salle, bah c'est bon. C'est comme ça qu'on va l'avoir et c'est dégueulasse quoi. Je sens qu'on va continuer sur des chapitres pourris où on va juste avoir des bastons à la con, voilà. Plus d'histoire, plus rien du tout. C'est vraiment dommage, mais bon, on est parti pour ça, on est parti pour ça quoi. Il faut l'accepter, Dragon Ball Super n'est que l'ombre de Dragon Ball et une ombre très 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 low qualité, tu vois. Pas pire que DBGT quand même, mais quand même, pas beaucoup au-dessus quoi, tu vois. Je te dis, c'est super malheureux parce qu'on pourrait tellement faire des choses bien avec DBGT, enfin, avec DBS, pardon, parce que DBGT c'est trop tard. Après, on peut pas faire comme le film de Sonic parce que le jeu avec le premier chara-design Sonic, du coup, ça a été, on va dire, catastrophique. Et on peut Ouais. pas faire la même chose avec DB Super, du coup, vu que en plus, le pire, c'est que les 5 premières minutes de DB Hero, Super Hero, bah, c'est beau, Mais quoi. ouais! Et dès que tu passes en CGI, tu sens la différence. Alors après, il y a des beaux mouvements de caméra, mais c'est normal, encore heureux, c'est de la CGI, quoi. Bah, en Et on fait, peut pas Eren, le faire truc, c'est qu'il n'y comme. a pas beaucoup d'intrigues restantes, et qu'en général, les combats dépassent rarement les 6 chapitres. Donc, au pire des cas, t'as 3 combats à faire, là. Allez, 4. Donc, t'as 25 chapitres. Sachant qu'en plus, il avait annoncé que ça se finissait en 2022, donc même s'il peut se tromper, évidemment. Mais t'es quand même pas loin, là. Hein. Ils font je n'importe comment là. Ah merde, j'ai tapé pour que t'es. Putain, la balle, elle a tapé, je suis dégoûté. Non mais sérieux! Ah tu vois, là ils l'ont fait la technique, la truc avait monté. Merde, c'est pas toi que je voulais la faire. Tu vois, Rad? Voilà. Voilà, le truc que je déteste, voilà. Alors là, je pense que je vais arrêter les matchs online parce que c'était le truc qui faisait que j'ai arrêté le jeu parce que ça me saoulait ce genre de but de merde où tu te contentes juste de faire des passes lobées comme un trisomique. Merde. Voilà. Ah non, la balle était à fond. Fais gaffe. Bien joué. Mais non, le gardien! Ouais. Oh, quand même, mais sérieusement! Mais non, mais au bout d'un moment, les gars, donnez-leur la victoire, hein. On règle le problème très vite, hein. C'est à ce point-là. Voilà, quand même! Sérieux! Quand tu commences à bourriner que ça marche pas, quoi. Ah non, mais on peut faire des bonnes choses avec DBZ. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas faire des bonnes choses, ils veulent juste faire des choses. C'est pas la même chose, c'est le problème, tu vois. Vas-y. Joli, joli. Oh, joli. Oh, mais sérieux, putain. Ils ont surtout acheté mon gardien là. Parce que franchement, les deux buts qu'ils mettent, c'est de la chiasse quoi. Putain, je déteste le timing à faire pour l'esquive quoi. Voilà! C'est ça qu'on veut! Ah oui. Tu l'as. Ah, c'est moi. J'ai pas tenté.
Oh non, le truc s'est arrêté. Je suis dégoûté. Le truc s'est arrêté au moment où il clignotait pendant que j'ai tiré. Je pensais que j'arriverais au bout, mais non. Bien joué la reprise. Le jeu est réaliste, il met des gros goals. Non mais le football, c'est pas Olivier Tom. Hein. Ah, il va essayer de me taper d'entrée, voilà. Hop là. Mais... Non mais sérieux! Sérieux! Franchement, les buts où tu te contentes juste d'appuyer sur le truc sans charger ni rien, fuck quoi. Sérieusement? Non mais sérieusement, c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer là. Je vais essayer de voir si je peux passer à droite et je vais charger le tir d'entrée. Ok. Ta merde. J'ai passé à droite, ouais. Vas-y, tire, essaye. Joli. Tamé. Putain, mais c'est pas possible ça! Mais c'est pas possible ce qui se passe dans ce match! T'as la balle. Je pensais que j'avais la... Non mais... Non mais n'importe quoi. Pff, oh, franchement ça me dégoûte. Franchement ça me dégoûte. Avec, après Richard peut faire une ellipse et poursuivre la suite de machin dans un nouveau manga. C'est possible, écoute on verra. Ok super, l'autre tir et le truc est pas arrivé. Mais par contre, leur keeper, c'est n'importe quoi, on est d'accord. On l'a harcelé et c'est passé, quoi. Ça me troue le cul. Ça me troue le cul. Putain, c'est abusé. Par contre, faut faire gaffe à pas trop taper les joueurs qui ont pas la balle parce qu'on leur donne une chier d'item. C'est incroyable. Tu peux le faire, mais faut vraiment le faire quand c'est nécessaire. Parce que là, les mecs utilisent 4 fois plus d'items que nous à chaque game parce qu'on les ruine, quoi. Après, eux aussi, ça leur arrive de nous ruiner, mais bon. Et pareil, dès qu'on en a deux, faut tenter, quoi. Faut en utiliser un pour libérer la place, si je puis dire. Mais si, du coup, on utilise des objets, du coup, aussi, du coup, on en gagne, non? Non, ils gagnent pas d'objets quand on utilise des objets. Ils en gagnent quand on tacle un joueur qui est pas là, qui a pas la balle. Si tu fauches un joueur à eux qui a pas la balle, ils ont un objet. Mais du coup, si tu fauches un joueur qui a la balle... où tu balances. Les objets, ça compte pas. Donc les objets, peu importe ce que tu fais avec, si tu touches, aux F. Bah pour moi... ouais, là, j'avoue, la fin... et puis en plus, ça te hype trop pour la suite, quoi. C'est là que tu vois la différence de qualité entre Umbrella Academy et The Boys, quoi. Joli. Tu vois, là, par exemple, il nous fauche, on a récupéré un objet. Yes! Ça, c'est du but. Bim, ça fait plaisir. C'est son propre objet qu'il a niqué. Waouh, il s'est passé quoi? Voilà. Oh non! Il va récupérer l'objet. Hé, j'ai attendu.
j'ai raté. Allez, bourrin, putain. Oh oui. Allez, va m'empêcher. C'était sûr. Oui, but. Petit but tranquillou. Le homme odeur qui fuit, j'étais pas prêt la première fois qu'il est en difficulté. Après, devant lui, il y a quand même du sacré monde. Il y a du peuple, hein. Moi, j'étais surtout surpris de voir qu'il a survécu, Butcher, à... Bien joué. Vas-y. J'étais surtout surpris qu'il ait survécu à Butcher, à l'attaque de Homelander, parce que bon, c'était... Voilà, c'est quand même Homelander, quoi. Tape-le. Voilà, là c'était, tu vois, là, c'est le bon choix, par contre. Putain. Mais putain! Oh non, c'est pas grave. Bien joué. Joli, joli. Maintenant, j'aimerais savoir comment les adultes ont des pouvoirs avec le V temporaire. C'est aléatoire en accord avec leur personnalité. Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça doit avoir un rapport avec l'ADN ou une connerie comme ça, tu vois. Ah, tiens, moi aussi j'ai un objet. Vas-y, bourrine. Nickel. Nickel. Ouais, je préfère le petit soldat de la série. Il a l'air plus classe que le petit soldat du comics, franchement. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est l'image du mâle viril, tu vois, le petit soldat. C'est vraiment le mec... J'ai pas la balle. Oh non, l'enfoiré. Il a tapé son propre joueur. Vas-y. Hop, je l'ai arrêté, vas-y. T'as plaisir. Joli. Mais franchement, le petit... En fait, c'est intéressant parce que quand tu as regardé un petit peu la série, il y a tellement de différences entre les deux, quoi. Elle est pas terrible, la saison, honnêtement. Oh non, bon, c'est pas grave. Elle est pas terrible la saison. J'ai vu les 10 épisodes ou les 8, je sais plus. 8. Et franchement, la fin. En fait, si tu veux, moi j'étais hypé de fou. Parce que je me suis dit qu'on allait avoir tout un délire entre les deux. Entre la Umbrella et la Sparrow et tout. Et en fait. Oh le tir du cul. Et en fait, très vite, ça part aux oubliettes, ça. Très vite, on oublie l'histoire avec la Sparrow et tout. Et le problème est réglé. De lui-même. Sans qu'il y ait de raison à ça. Oh non! Putain, j'ai raté. Dommage, t'es essayé de te mettre devant. J'ai bien niqué là, c'est cool. En fait, je sais pas, il y a un truc qui manque dans cette saison-là par rapport aux deux autres et qui faisait que les deux autres étaient plaisantes à suivre. Je saurais pas dire quoi. Mais déjà, il n'y a pas vraiment d'antagonisme. Bon, tu diras, il n'y avait pas non plus d'antagonisme dans les deux premières, hein, soyons honnêtes. Mais en fait, bah, l'enjeu, c'est quand même la destruction de l'univers, tu vois. On est toujours sur le même enjeu, en fait. Depuis trois saisons, on est toujours sur le même arc narratif, à savoir, c'est la fin du monde, OMG, comment on fait pour l'arrêter, quoi. Putain, j'ai chié dans la colle, là. Oh, le but de merde sur le côté. On fera gaffe, ils ont deux étoiles. C'est vrai. Bah, attends, ils ont mis en moins. Wouah! C'est quoi ce tacle? De toute façon, même s'il rattrape, il reste 10 secondes. Je suis pas vraiment inquiet, tu vois. Vas-y, passe. Oui. Hop. Ah, merde. Voilà. Oh, la balle, ce qu'elle a fait, c'est trop chelou. Vania est devenue Victor. Je pense que c'est pas possible qu'ils reviennent sur la loi de l'IVG parce que c'est. Au pouvoir, c'est un socialiste. C'est pas un républicain, c'est un démocrate. Et je vois pas les démocrates. C'est comme imaginer le Parti Socialiste revenir sur la loi des 35 heures et remettre les 39 heures, tu vois.
Ça me paraît impossible. Tout simplement impossible, quoi. Mais je sais pas, il y a un truc qui manque pour moi dans MHA, mais je saurais pas. Enfin, pas dans MHA. Attends, je reviens, je vais juste 2 secondes avant de. On peut faire rejouer de toute façon. Je sais pas trop, mais il y a un truc qui manque dans Umbrella. Après, il n'y a pas la commission quasiment. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, elle me manque la commission, je l'aimais bien. Enfin. C'est pas que je l'aimais bien, c'est qu'elle faisait partie de l'intrigue en fait, et là en fait elle est pas là. Et puis je trouve que tout se termine un peu trop facilement, tu sais. Genre, alors on va pas spoil, hein, mais c'est vraiment genre, oh là là, c'est la fin du monde, je sais pas quoi faire, comment pour régler ça, oh bah on va faire ça. Et pareil, tu sais, ils ont teasé pendant des plombs, ils nous ont teasé les sets, les fameux sets de. De la Sparrow Academy, en fait, on n'en développe quasiment aucun. Il y en a quasiment aucun qui est développé au final, quoi. C'est super triste, quoi. Et puis pareil, pourquoi le maman, on va l'appeler, pourquoi maman, elle devient complètement folle à la vue de ce truc-là. Je veux dire, elle est programmée. Donc à partir du moment où elle est censée suivre son programme. Il n'y a pas un moment où elle va devenir une putain de psychopathe et où elle va aider une boule anthropomorphique. Je comprends pas le délire. Bah, je trouve que c'est un peu long, ouais. Vas-y. Joli, joli. Non, je trouve que c'est vraiment long pour ce que c'est, honnêtement. Là, tu vois, tu leur donnes un item. Joli. Joli. Merde. Ils ont l'air de beaucoup jouer avec le truc pour faire des appels de balles, c'est. Pas des appels de balles, mais R. Putain, il a esquivé, j'hallucine. Ah, je dois le laisser. Putain, je suis dégoûté. Chier, j'arrive vraiment pas à l'esquive. Putain, mais ce gardien qui se toile sur 2 tirs d'affilée, quoi. À un moment donné, fais quelque chose, gardien. Essaye! Mais non! Mais comment? Je comprends pas le délire. Non, ça va, écoute, je m'amuse bien. Par contre, moi, je fais le même tir et ça rentre pas, quoi. On est encore dans un monde parallèle où l'équipe adverse a l'avantage sur moi, quoi. Attends, ils vont faire que des passes en retrait comme des teubés, là? Non. Mais sérieux! Putain. Bien joué l'arbitre. Alors récupère le. Putain, mais même à cette distance là! À un moment donné, on va abandonner. C'est plus simple. Hein. Bien joué. Tac. Ah non mais forgeant, c'est. Mais attends, on a un gardien de merde comparé à eux, c'est pas possible. J'hallucine quoi. Quand même, au bout d'un moment, moi aussi, je sais mettre des buts de merde. Putain. Elle m'a aidé les meilleurs, hein.
Bien joué. Il va tellement vite. Mais non, mais ce gardien. Mais ce gardien de merde. Non, mais franchement. Je vais essayer de passer par la droite, par le haut. Je peux pas. Vas-y. Putain, fais chier. Putain. Bien. Mais sans déconner. Mais sans déconner! Putain! Bon, je l'ai raté. Par un moment, tu l'as fait, j'ai cru que t'avais pas réussi. Ouais, moi aussi, je croyais qu'elle m'arrêtait l'autre là. Mais non, c'est bon. C'est passé. Bim! Point, point. Mais sérieusement! Non mais à un moment donné, il faut donner mon donne le chèque au moins, hein. Que je touche une partie de l'argent qu'a reçu le gardien, quoi. Vas-y, fais une passe à 10 comme un gros teubé. Mais non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Franchement. Sérieux, mais n'importe quoi. Les mecs, ils font des tirs de merde. Ça marche. Nous, on fait 15 tirs. Ah, j'ai pas vu les stats. Ah non, on fait 10 tirs au final. Mais ça me saoule. 10 tirs, 10 tirs. Bah, il y en a double de marqué chez eux, quoi. Mais genre, t'as pas été pris au rattrapage du tout, carrément? Bah non, le teasing de l'érogasme, c'était une putain de blague, parce qu'en fait, il s'est rien passé. Je veux dire, on n'a rien vu qu'on ne verrait pas dans un film érotique moins de 16 ans de M6. Vraiment, il n'y a rien eu. Je veux dire, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs un peu fifou, et en fait, non, même pas du crade. Enfin, même pas du porno crade, il n'y a rien eu du tout, quoi. Je comprends pas le délire. Je comprends pas. Et t'as des mecs quand même qui t'expliquent qu'ils avaient besoin d'une thérapie après avoir fait l'érogasme, quoi. Explique-moi en quoi t'as besoin. Les gars, si t'as besoin d'une thérapie après avoir participé à l'érogasme, sachant que c'est une scène, y a pas eu de sexe, hein. Ils ont pas vraiment couché ensemble, les acteurs, hein. Et ben, dans ces cas-là, tu dois être traumatisé quand tu vois un yaourt au frigo périmé, quoi. Je veux dire, à ce point-là, c'est incroyable. Y'a rien du... Bah, c'est une scène... Où... Bah, en fait, si tu veux, Mados, c'est pas pire que ce que t'as dans l'épisode 1 ou 2, tu sais, quand Butcher, il présente un truc porno à Hewitt, et il dit, voilà ce que font les héros. Et il montre ça, bah... Mais... Écoute, moi, s'il reste là, hein... Voilà, on a, voilà, typiquement, rate bien, il refait la même chose. Ils vont faire des passes en l'air et c'est tout. Voilà, bien joué. Mais là, ça va être passes en l'air jusqu'à charger et tirer. Ça va être lourd. Mais non, mais putain de jeu, quoi! Mais putain de jeu, c'est pas normal que ça passe, ça, sérieusement. Non mais à un moment donné, on arrête de jouer, quoi. Non mais à un moment donné, il faut nous donner au moins une chance de marquer, ou faire un gardien qui arrête des tirs, quoi. C'est pas possible, franchement, la blague. Putain. Rate ça! Putain!
Putain, je le vois pas rater, moi, chez moi. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est ouf. C'est incroyable, je me fais complètement brain là par des. C'est du grand délire là leur truc. Vas-y, reste là. Spam. Oh, ça rentre quand même. Je sais pas comment c'est fait pour rentrer quoi. Non plus. Non, je veux dire, je m'attendais à des scènes vraiment dégueulasses quoi. Ah ouais, la défonce d'Homelander, putain, ça fait 3 saisons qu'on l'attendait. Enfin, défonce, faut le dire vite quand même. Mais regarde ça, voilà. Et voilà, et le gardien, il est dans les choux après un tir. Putain, sérieux, et là il est tout seul. Mais non, mais non! Mais sérieusement, il a même pas eu le temps de la canaliser! Putain, mais arrêtez le jeu là! Mais faites quelque chose pour que le jeu soit cohérent! Voilà. Bah oui, évidemment! Bourrinon! Bah oui, Bourrinon, ça serait quand même dommage que ça rentre, trou du cul de jeu! Tu rêves, mon gars. Il va faire la passe là-bas. Bien joué. Oh oui! Oh là là, le plan voilà. Du gardien. Ah ouais, elle le plante vachement, ouais. Elle est un peu violente, mais bon, normal. Ah oui, y a rien eu à l'érogasme. Hein. Ah, je pensais vraiment qu'il y aurait du trashouille, et finalement, pas du tout, quoi. Voilà, vas-y, je fais des passes en l'air parce que je suis un teubé. Voilà, rate ça, rate ça, rate ça! Et nous, on regarde, parce qu'on peut rien faire. Bien joué. Incroyable ça, tu vois. Et c'était le problème. Oh Vas-y. non, je l'ai pas eu. Je croyais que j'étais dessus. Putain, je suis dégoûté. Oh, je l'ai raté. Voilà, C'est merci. bien joué. Mais c'était le problème qui a... Prends le... Attends, non, qui est son... Ouais, c'est bon. Voilà, faut la faucher, on n'a pas le choix parce que c'est trop relou. Putain, dégoûté. Oh non! Je pensais avec le texte ça pouvait marcher. Mais non, mais non! Wow. Mais sérieusement, putain! Mais rate ça. Mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et je dis, c'était déjà le problème qui a fait que j'ai arrêté de jouer à l'ancienne version. Cette histoire de tu fais des passes lobées pour charger la balle. La passe lobée, elle est difficile à intercepter parce qu'à moins que tu aies un joueur qui soit collé au joueur adverse, tu peux pas. Et les mecs, ils chargent leur balle. 16 tirs à 8. On a tiré deux fois plus au but qu'eux. Deux fois plus. Ouais, c'est pas un problème de s'améliorer, c'est un problème d'exploiter un truc du jeu qui devrait même pas exister. Parce que normalement, tu fais des phases de test où tu vois que ça va pas et tu le fais pas, quoi. Et ça, on gueulait déjà sur ça dans la version GameCube. Non mais Poncho, ce sont des acteurs, je veux dire. Et en plus, c'est pas une orgie, c'est juste des gens tout nus qui font semblant de faire une orgie, hein. Ils ont pas vraiment fait l'amour dans la série. Il n'y a pas vraiment eu un god en glace qui a pénétré une pute. C'est pas vrai, tu vois. Ce sont des acteurs, je veux dire. J'ai moins de... dans ma tête, j'ai moins de mal à imaginer une scène où je suis à walper
En plus, on voit quasiment rien, soyons clairs. Tu vois pas des bites rentrer dans des chattes, hein, non, on est d'accord, ni rien d'autre. On voit rien de sexuel. Enfin, on voit rien de interdit aux moins de 18 ans dans cet épisode-là. J'aurais plus de mal à faire une vraie scène de baiser qu'à faire une scène où je me balade à poil, quoi. Soyons honnêtes. Ah, Nefertiti. Et tu vois, je me fais choper et là j'ai pas eu d'item alors que pourtant. Oh, bien joué. Oh. Allez, vas-y. Tu vois là, il a chargé aussi, mais il a chargé au sol. Quand même. On est à 4 tirs à 0 là. Ah, Gatch, écoute, il faudrait vraiment que je m'y remette. Là, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas regardé. Hop là. Ouh, pardon. Désolé. Et pourquoi ils font ça? Oh non, comment ça se fait que ça a marché? Mais... Il est où le ballon? Il tire la main. Mais non! Bourine! Oh, bien joué! Je prends. Oh, c'est pas grave. On a eu l'objet. Tout du 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 tout tout du tout. Ah, dommage. J'aurais essayé. Relève-toi, joueur! C'est n'importe quoi. Nos joueurs, ils sont allongés par terre. J'avais même pas de... Il y avait même pas de joueurs valides que je pouvais jouer, là. C'était... C'était abusé. Bon, par contre, il y a une main de Wario. Hein. Aussi, je sais le faire. Non. Tiens, pour la peine. Et tu l'as. Allez. Oh non, mais sérieux! Mais non, mais non, mais ces buts, même pas chargés, ils me trouent l'anus, quoi, putain! Bien plus que les personnages dans l'aérogasme, quoi. À la rigueur, la scène qui m'a le plus choqué, c'est celle avec le poulpe, hein. Ah, mais le gardien, vas-y, sors dans notre cage aussi pendant que t'y es. J'ai raté. Chier. Oh, putain, je l'ai pas fait, pourtant j'avais arrêté avant, c'est pas grave. Seriously? On arrive à un niveau de putain de galère sur le terrain assez incroyable. Oh, j'ai complètement foiré le début, dommage. J'étais stressé. Fais chier, je voulais faire au moins 2 oranges et minimum, quoi. Mais non! Mais hey, j'appuie sur... Oh non, putain, je croyais que j'avais la balle. Putain, mais il bourrine, mais c'est des...
Ah merde. Voilà. Il bourrine tellement. Triangle? Oh non, t'aurais du triangle pour avoir. Vas-y. Je peux pas passer. Oh putain. On fait chier. Bien joué. l'interception devant. C'est... Ah non, il est tout seul devant. Oh là 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 là, on a eu un peu de chance sur ce coup-là. Non, fallait... Vas-y. Oh non. Oh, j'ai eu peur, c'est un bug. J'ai cru que tu l'avais raté. Bien joué. Ouais, normalement, on a gagné. Normalement, on devrait avoir gagné, là. Là, ils vont nous faucher, normalement, on va avoir des objets. Et venez nous faucher, des connards. Putain. Mais non. Mais va te faire enculer, jeu. Mais c'est pas possible. Putain. Sérieux, il y a eu une arnaque, là. C'est pas possible. Attends, je veux voir combien il y a eu de tirs à la fin du match. Putain, on, encore une fois, on fait beaucoup plus de tirs qu'eux. On fait deux hyper balles. Je comprends pas. Je comprends pas le délire. Franchement, là, ça me dépasse un peu. Ah là là. Putain, perdre là-dessus, c'est chiant, quoi. Faut pas hésiter, quand tu fais des tirs et qu'on a un objet, à, pendant que tu canalises le tir, à appuyer sur l'objet. Tu sais, pour le balancer pendant sur le mec qui arrive, tu sais. Surtout quand tu fais une hyper frappe, tu sais. Tu es en train d'appuyer sur A, et puis hop, tu fais un petit coup d'Y pour le baiser. Oh, c'est trop bizarre, il y en a un qui joue avec un quart de... un demi... Joy-Con. Oh mon dieu, le pauvre. Oh. Par contre, c'est marrant, on voit toujours pas pratiquement les mêmes teams là. Ouais, Nefertiti, on vient de les affronter, effectivement. Attends. Mais arrêtez de me faucher, les gars. Hop là. Voilà, mon gars. Mais quand même. Mais quand même, putain. Mais sérieusement. Mais sérieusement. On vient de lui tirer 20 fois dans le buffet, hein, mon gars. Hop là. Oh putain. Mais va, mais n'importe quoi. Sérieusement. Mais sérieusement, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi, putain. Voilà, quand même, au bout d'un moment. Ça rentre, bordel de merde. Ça rentre, bordel de merde. Bien joué. J'ai envie de faire une passe. Quand même.
Mais c'est quoi ce gardien? Tu l'arrêtes pas ce genre de balle, mec? Oh non. Dommage, c'est pas grave. Et là, encore une fois, on a tellement de joueurs HS que j'avais aucun joueur possible que je pouvais prendre. Oh putain. Mais non, mais non. Mais sérieux. Mais sérieux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui se passe. C'est un truc de fou. Non mais moi, notre gardien qui est à la ramasse après un tir. Un tir pas canalisé non plus quoi. Putain. Il me saoule. Allez vas-y. Mais sérieux? Je peux pas jouer. Yes. Oh, bien joué! Bon, pour 4 joueurs, honnêtement, ça va. Attention, elle va essayer de me faucher, voilà. Bien joué. Putain! Mais le gardien! Mais pourquoi tu récupères pas la balle? Vas-y. Oh, dommage. Non mais... Mais... Joli. Oh, merde. Non mais... Pff, ça commence à me saouler les matchs là honnêtement. Ça commence à me saouler sévère. Yeah, on a eu la même idée, eux et moi. Mais j'avais pas le bon joueur. Mais non, mais arrête d'être HS au bout d'un tir, gardien. Fais semblant au moins, je sais pas. Bien joué. Vas-y. Putain. Vas-y. Oh, dommage. Mais mon jeu... Oh, vas-y. Franchement, c'est hyper frustrant parce que tu fais des matchs et t'as juste l'impression que c'est pas le talent qui fait gagner, là, c'est vraiment la full luck, quoi. 22 tirs. 22 putains de tirs, ils ont fait. Et que des tirs pas chargés ni rien, quoi. C'est ça qui me tue. C'est que les mecs, ils font un paix foireux et ça rentre, quoi. Ah, ça me tue, quoi. Bah, il y a des skills à avoir quand même, Poncho. Heureusement, parce que sinon, ça serait du grand n'importe quoi, vraiment. Mais bon, ouais, Mados. Il y a d'autres jeux comme ça. Par contre, le seul jeu où c'est pas une question de chance, c'est Among Us. Et là, visiblement, il n'y a plus personne après. Hein. Bon, Mario Kart, c'est quand même pire. Mario Kart, c'est quand même pire. Mais là, c'est hyper frustrant parce que t'as pas, j'ai pas l'impression qu'on fait de la... Je dis pas qu'on joue comme des dieux, mais j'ai pas l'impression qu'on fait de la merde. On se démerde plutôt bien. Et en face de nous, t'as des mecs, ils appuient sur des tacles comme des gros teubés. Ils fauchent à droite à gauche. Et à la fin, on perd parce que, bah voilà, c'est juste la luck du gardien. C'est le gardien pue la merde. C'est assez incroyable. Par contre, je note qu'il n'y a pas trop de bugs. Là. On n'a pas eu trop de ralentissement. Bon, ça va, hein. Attends, j'ai... Ok. Il me manque Wario. Ça manque de pas l'avoir dans la team. Mais par contre, c'est vrai que ce jeu, j'avoue que je le vois pas durer longtemps. Je le vois, on va en profiter un moment, tu vois, mais je pense que d'ici 2 mois, plus personne n'en parle. Déjà, t'as divisé par 8 le nombre de streamers qui y jouaient.
Taux de méta. Excellent le nom de la team, quoi. Je suis hypé par quoi? Non mais... What? Non mais, à un moment donné, non mais... Pff, franchement, c'est désespérant. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe, c'est désespérant. C'est incroyable quand même, j'ai pas l'impression qu'ils sont bons. Waouh. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais c'est pas possible, sérieux. Putain, ça me troue le cul. Comment c'est possible ça? Ah mais comment ça se fait que j'ai fait une passe à l'obé à lui? Non. Tiens. Putain, ça voulait pas tirer. Non mais... Quand même, voilà. Au bout d'un moment, ça finit par rentrer, quoi. Non, je pense, en fait, je pense que le jeu est trop chaotique pour être intéressant en e-sport. Je veux dire, quand tu regardes une partie de Valorant ou autre, tu sais ce qui se passe à l'écran, quoi. Bon, tu me saoules, toi. Mais c'est n'importe quoi! Mais c'est n'importe quoi! Le Toad qui fait une tire pas chargée et le gardien, il est HS. Mais non, mais sans déconner! C'est n'importe quoi, le jeu! Oh, je vais l'arrêter, je vais arrêter de jouer si ça continue. Non mais... Non mais après celle-là j'arrête. Franchement c'est bon quoi. Il y a aucun plaisir, c'est n'importe quoi le jeu. Ah tiens, je vais prendre ma propre truc en plus comme ça. Non, t'as claqué l'item, fallait surtout pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Parce que t'as claqué la... Je voulais servir de l'étoile pour faire le super coup. Mais bon, c'est bon, on a réussi à le faire. Bon, là, tu l'arrêtes pas, mec. Je viens de faire deux trucs verts. Voilà. Tu peux pas l'arrêter. Au bout d'un moment, faut quand même que le jeu soit un minimum honnête avec moi, quoi. T'sais, tu peux truander, mais à un moment donné, faut arrêter le truandage, quoi. Bien joué. Il va marquer parce que... Mais non! Mais non, mais à un moment donné... Mais le gardien! Mais le gardien! Mais c'est... Sans déconner! Sans déconner! Le gardien! Fait semblant au moins, je sais pas! Putain, mais le leurre, quoi! Mais putain de mur, là! Sérieusement! J'ai raté en plus mon tir. Mais non, mais il fait un tir, le gardien est dans les choux, quoi. Et regarde, il tape même pas le bon joueur. J'ai même pas la balle et il essaie de me viser, moi. Voilà. Quand même, au bout d'un moment, putain.
Après, non, mais en fonction des items que tu mets, ça va, mais quand même, au bout d'un moment, tu déconnes, quoi. Vas-y. Putain. Quand même, vas-y. Oh non. Fais gaffe, il reste 15 secondes. Je te cover, vas-y. Oh non. Elle est pas rentrée, putain. Et voilà, il bute. Mais ce gardien! Mais ce gardien! Sérieux, n'importe quel tir rentre, c'est incroyable! Et là, tu me laisses même pas tirer les... Non mais c'est bon, moi j'arrête de jouer. Franchement, j'arrête de jouer, c'est bon. J'ai eu ma dose de putasserie et de grand nawak. C'est bon pour ce soir. Franchement, ça me casse les couilles. C'est... Des matchs comme ça, c'est... Ça dégoûte, quoi. J'ai rien contre perdre, mais bon. On va jouer entre nous, hein. Au moins, je m'amuse plus, parce que là... Pff... Ah, mais qu'est-ce que c'est relou, quoi. Attends, on va voir combien de points on est, maintenant. Oh, on est pas mal, hein. C'est pas une question de méta en fait, c'est juste les items que tu lui mets. Mais ça change rien au fait que quand tu fais un tir pas chargé, t'es pas censé être un dieu vivant, tu vois, c'est... Ah, on choisit le numéro de maillot, attends. Je rate un truc. Non, je lance pas ma recarte maintenant. Fallait vous inscrire à 8 si vous vouliez qu'on y joue. Hein. Allez, on va mettre le 7 comme d'hab. Ah, qu'est-ce que je vais mettre pour équipement pour être un peu plus violent? Putain. Oh mon dieu. C'était tellement laid. Donc tu vois, il ouais, y a tir, technique. Technique, ça correspond à quoi comme... Attends, peut-être que le guide va le dire. Technique, cet attribut détermine la précision et la trajectoire des tirs d'un personnage ainsi que sa conduite de balle. Ouais, non, j'aime bien en fait ça. Donc ça, tir, technique, hop. Force technique. Ah d'accord, donc quoi que je fasse, en fait, je perds de la technique quasiment. Sauf. Passe technique, ok. Torse. Ouais, d'accord. Bah, je sais pas, mais en fait, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Hein. Après, j'ai tellement de thunes que je peux l'acheter, quoi. Vas-y, on va tester. Je vais juste mettre pour le fun. Par contre, avec ça, mon personnage, il va aller à 2 à l'heure. Hein, parce que... Ah non, c'est bon, il n'y a pas que ça qui part. Les bruitages, ils me font toujours marrer. Et voilà. Ça, c'est mon Yoshi. Ça, c'est mon Yoshi. Par contre, je comprends pas pourquoi on est violet, parce qu'il n'y a aucun moment où je voulais jouer violet, quoi. Et en fait, à un moment donné, ils nous ont pas laissé choisir. Tu vois, tenue secondaire, je veux pouvoir choisir l'autre. Pourquoi en tenue principale, je suis obligé d'avoir celle-là? Je veux pas une des bleues en tenue principale. Je comprends pas le délire avec ça. Si je change le truc, tu crois que ça va marcher? Non. Tu vois, je peux pas... La tenue principale, j'arrive pas à l'avoir autrement que... autrement que ces couleurs-là. Pourquoi? La question à 1 million d'euros, pourquoi? Pourquoi je peux pas inverser les deux, tu vois? Je comprends pas. Vas-y, on va voir si on peut pas améliorer le stade. Enfin, améliorer. Le tuner un petit peu. Alors, thème du stade. Ah d'accord, t'as vu, on peut améliorer le mont champignon. Putain, 50 000 les gars. 50 000. Oh les mecs, ils ont fumé. C'est pas possible, ils ont fumé. 50 000. 50 000, on a 4 000. On a 4 000. La blague. Bon, c'est pas grave, hein. On va pas tuner. On va pas tuner, hein.
Vas-y, on se fera un petit peu un ou deux matchs et après, hop. Tout. Ok, c'est en disponible. Eh ben, je vais en créer un, parce que je suis un fou. Et on va jouer le jour pour une fois. Toi, tu peux annuler les hyper frappes et les objets, quoi. C'est un peu chiant. Ta-na-na-na-na-na-na. De quoi thérapie, c'est du mytho marketing? De quoi tu parles? Ah, de The Boys. Non, non, c'est du mytho marketing, on est d'accord, c'est n'importe quoi. Ah, d'accord, donc avec équipement, je vois rien. C'est d'accord, avec équipement, c'est pareil que ça en fait dans le jeu. Allez, vas-y. Voilà. Non, c'est n'importe quoi. Je trouve qu'ils ont abusé, en fait. Ah, faut croire que non. Allez, vas-y, on met ça. On l'a demandé au début, il a dit non. Mais non, je trouve qu'ils ont un peu déconné là-dessus, parce que... C'était inutile en fait de nous vendre Erogasme, et en fait je trouve que c'est débile d'avoir fait ça. C'était un peu débile ce délire de oh l'Erogasme, wow mon dieu, c'est trop bien. Ok. J'ai raté. Allez, vas-y. Récupération de balles. Oh là là. Oh merde! Oh là 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 là, ça commence déjà. Ok, d'accord. Ok, donc j'ai un gardien passoire. J'ai compris le message. Au moins, je le sais. Tu vois, moi, je fais ça, mais ça marche pas, hein. Oh le bâtard. Aïe! Oh putain, bien joué. Putain! Mais non! L'objet spécial. Merde. Allez, vas-y, passe la balle! Passe la balle! Allez, vite! Oh oui, c'est bon, je l'ai eu. Non! Salut, Soul. Ouais, Benjamin. En fait, c'est les mêmes. Hein. C'est juste que, bah, avant, pour une raison qui est conne, ils ont limité à 30, ils ont mis 30 joueurs minimum, alors qu'avant, c'était 10 en plus, ces modes-là. Donc, non, y a pas de problème. Hein. Non, mais t'es sérieux. Donkey, qu'est-ce que tu fous dans le coin? Mais non, mon joueur quitte. Oh là là, sérieusement. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai pas trouvé... Enfin, par rapport à ce qu'ils m'ont vendu, je l'ai pas trouvé fifou du tout, quoi. À un moment donné, ça serait quand même bien que le jeu me laisse marquer un but, tu vois. Histoire que j'ai l'impression quand même que les gardiens sont pas m'ont gardé avec pas une putain de passoire inutile, quoi. Dommage. Si j'avais su, j'aurais pris l'item avant de faire ça. Hop là. On... Feinte! Oh là là! Oh putain, le poteau, j'ai cru! Oh la faute! La faute de Toad, encore une fois. Oh merde! T'as niqué ton Mario. Putain!
Mais sérieusement! Ce gardien! Un tir, un but, quoi! C'est incroyable! Oh, bâtard! Non, mon joueur, relève-toi! Bon, vas-y! Oh putain! Oh non! Non! Oui! 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 Oh non! Je suis dégoûté. Oh non, sérieusement. Mais non! 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 C'est pas possible! C'est pas possible! Oh non! Oh Waluigi, tu déconnes! Attends! Oh putain, sérieux! Waluigi! Waluigi, qu'est-ce que t'as foutu? Oh putain! Mais arrêtez! Arrête! Arrête les poteaux, arrête! Oh merde, putain, j'étais pas loin. Oh putain. Sérieux, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, tu l'as marqué, j'éteignais la console. Putain, en plus, c'est toi qui l'as eu. Non, tu rêves là. Oh merde. Mais ce gardien! Mais ce gardien! Ah merde. Il a pas intercepté. Oh non. Bah, j'étais obligé. Putain. Non, j'ai plus le truc. Et je le perds au moment où il y a ça. Sérieusement. Ah, t'es pas dans la surface. Heureusement. Ça marche quand même pas hors de la surface. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est... Au point où j'en suis. Incroyable, 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 ce niveau de merditude. Je sais même pas pourquoi je spam, parce que de toute façon il va la rater, il va la rater ce cocon. Sérieux. Non mais il est irrécupérable ce gardien que j'ai, c'est impossible. Pourquoi ça continue? Non mais c'est incroyable ce qui vient de se passer, ce match c'était une purge. En plus, tu fais pas un tir parfait, t'as fait quoi? Deux oranges, non? Ouais, deux oranges. Deux oranges, je fais le truc pour l'arrêter et il passe quand même. N'empêche, tu te rends compte que tu mets quasiment 50% de tes tirs, là où moi j'en ai mis moins de 10%. Incroyable, incroyable. C'est fou. Putain, quelle merde quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Je vais finir par détester ce jeu encore plus que Mario Kart. Qu'est-ce qui se passe si je fais manuel? Allez, je tente. On verra. Pas grand-chose, hein. Allez, on va faire une équipe de gentils. Voilà. Allez, les sous-merdes gentils vont essayer de gagner. En rose, tiens, Team Rose. Et du coup, je mets le stade, il est où? Le manoir terrifiant. Ouh. Oh non, il sert à rien, un gardien. C'est incroyable d'avoir un gardien aussi inutile. J'ai...
Je pense que de ma vie, j'ai rarement vu ça. C'est quand tu veux. Mais eux, c'est ma team. Ouais, j'avoue. Merci Soul. Tiens, dégage. Ça commence. Ah putain, en fait, je joue qu'un joueur. Je joue qu'un joueur. Je joue J'ai pas changé. Toad! En fait, ça change pas automatiquement quand je quand j'appuie sur le bouton. Enfin, faut que je change moi-même. Sérieux? C'est hyper perturbant de faire une passe et de pas avoir automatiquement le changement de joueur. Hein. Je referai pas, hein. Je resterai en auto la prochaine fois. Merde, j'espère que ça passe. Allez, run! Merde. Oh non, putain, j'ai mis le cœur à côté. J'ai mis. Allez, vas-y! Passe la balle, dépêche-toi! Je vais devenir fou à nouveau! Hop là, vas-y, passe là-bas. Hop! Ah ouais, d'accord, je contrôle même pas, quoi. Joli le keeper, allez, vas-y! Ouh là, j'ai eu un petit lag. Oh non, j'étais mis devant, bon, tant pis. Ah putain, c'est difficile de gérer. Sincèrement, je préfère clairement jouer en automatique. En manuel, c'est hardcore. Mais sérieux? Sérieux? Même l'ordi s'y met pour t'aider. Même l'ordi. Le mec il s'est mis devant, il a fait obstacle de son corps, vas-y. Je vais quand même essayer de l'arrêter, mais bon. Je regrette l'absence de beaucoup de joueurs d'univers Mario. Non, je regrette plein de choses dans le jeu, mais pas l'absence de personnages, je m'en fous moi. Peu importe les persos dans le jeu, ce qui m'intéresse c'est le gameplay, donc que je joue Pierre, Paul ou Jacques, j'en ai rien à branler. Il y aurait même pas Mario dedans, je m'en foutrais quoi. Je veux dire, ça serait même pas l'univers Mario, j'en aurais rien à foutre quoi. Quand tu vois les gens qui font des propagandes pour avoir Luigi dans Smash Bros, mais qu'est-ce que j'en ai à carrer quoi. Oh putain, l'étoile. Quand même. Ouais, je souffre ce soir, c'est beau. C'est la soirée qui me dit arrête de jouer à Mario Striker. C'est le moment d'arrêter. Joli. Pouch. Oh non, j'ai eu le retour. Oh non. Ah là 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 là. Ah ok, donc maintenant même quand j'ai l'étoile, il l'arrête là. C'est vraiment un gros doigt d'honneur quoi là. Mais regarde ça, un tir et le gardien, j'ai l'impression qu'il meurt quoi. Mais non, mais. Quoi? Ouais, je te dis, attends, il y a un truc qui va pas. Dans mon équipe, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Bon, en fait, je m'en fous un peu, je t'avouerai, moi, de l'univers, donc.
Après, en fait, moi, quand je vois un jeu estampillé Mario, je pense pas forcément à l'univers Mario. Je pense plus à la patte Nintendo. Ce qui est pas pareil, tu vois. Je veux dire, pour moi, quand je joue à Splatoon ou quand je joue à Mario, je sais que je vais avoir des. Je sais déjà quel type de gameplay je vais avoir, quoi. Vas-y, bon, j'en suis. Oh, l'esquive de carapace. C'est pas de la banane. Oh putain. Pourquoi je me fais chier? En tout cas, c'est vraiment là. Il y a aussi le fait que je joue hein, avec le mode chelou là où je dois changer manuellement de perso, c'est relou. Non, il n'y a rien, le gardien il gère automatiquement, tu peux absolument rien faire. Merde, je me suis foiré. Tu m'as dépassé. Non, t'as pas de truc pour changer le gardien. Non, en fait, tu gérais le gardien que quand il y avait des super frappes. Sans pour aujourd'hui, tu vas l'arrêter, quoi. Quand même. Putain, non. Quand même. Il a l'air débile. Allez. Waouh, le gardien a fait deux arrêts consécutifs. Ça rigole plus. Ça va jouer. Ok, bon, j'aurais tenté. J'aurais tenté. J'aurais tenté jusqu'au bout de faire quelque chose et finalement ce n'est pas possible parce que ce jeu me déteste. Hein. Incroyable. Je serais quand même curieux de voir aussi le nombre de tirs. Bon, sachant que ça va, au final j'ai quand même réussi à un peu rattraper. Ah, ça va. 27, ça va, ça reste équilibré quoi. Voilà, là, là. Des passes décisives, ça. Il compte les passes décisives. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai assez souffert. Pardon. J'ai assez souffert pour ce soir. Et puis comme ça va me permettre aussi de bosser sur les autres vidéos que j'ai en cours. Merci Sky, c'est gentil à toi. Bisous. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Demain, c'est Among Us. Donc si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. J'ai créé l'event sur Discord, donc viendez. Sinon, on fera autre chose. Donc merci à ceux qui ont participé au live de soir et on se revoit pour de nouvelles aventures dès demain. Bisous bisous, ciao.